Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2 avec donc le duc de Bretagne. Je viens de déclarer la guerre contre l'Anjou. J'espère que ça va pas être trop compliqué. A priori, ils ont pas trop de troupes quand même. Et puis j'ai quand même un commandant qui a des bonnes stats. Alors, je diminue la vitesse. Ok, ça c'est bon. J'espère qu'il va pas réussir à me prendre là. Ah, il va me prendre 29 hommes. Bon, c'est pas la mort, 29 hommes. Ce que j'aime pas là, c'est qu'il a levé ses troupes, il avait beaucoup beaucoup d'organisation. Ah merde, au mauvais moment ça. J'ai quand même accepté, mais alors j'ai vraiment pas de chance, parce que c'est ce que je cherche depuis je sais pas combien de temps. En fait, c'est pour prendre ce territoire qui appartient à des rebelles, donc les rebelles ça aurait été peut-être pas mal. Bon, je le fais quand même, mais du coup là je suis un peu occupé par ailleurs. C'est dommage. Bon, 1080 hommes, est-ce que... Ouais, j'ai mon leader 16. Bon, 10 et... 10 et 9, c'est pas terrible, mais eux, c'est du combien? Elle est à la tête de son armée. Non, c'est pas possible, ça. Ouais, on peut pas savoir... qui dirige son armée. Bon, je vais attendre les 38 hommes, hein. On va mettre tout le... Le chance de notre côté. Oh, il a des renforts. On va essayer d'intervenir avant que les renforts arrivent. Ok, c'est parti. À 1 contre 2, je nous vois mal perdre, honnêtement. Surtout avec un leader 16, je suis pas sûr qu'il est un aussi bon leader. Ah, elle est à la tête de son armée. Ouais, du coup, elle a que 10. Donc, je pense que ça va le faire pour nous. Renfort ou pas. Parfait. On gagne pas de prestige dans cette bataille. Ah si, c'est là. 35 de... Changement de score de guerre, 35. Ah d'accord. Bon. On va faire le siège. J'ai pas trop moyen de le poursuivre, malheureusement. Oh, de toute façon, il a vraiment plus, elle a vraiment plus beaucoup d'hommes. Ça m'inquiète pas trop. Alors voilà. Je crois pas que je vais finir mon siège, hein. Je vais d'abord essayer de me faire son armée. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'il me prenne une province avant que j'en prenne une. On va voir où ils en sont, mais... Sur Rennes, là... Ouais, ça va être... Ils vont être plus rapides que moi, j'en suis sûr. 5,2 tous les 12 jours. 5,1 tous les 12 jours. Donc normalement, on va à la même vitesse, j'ai un peu d'avance. Donc en théorie, on devrait finir au même moment. Enfin, je devrais finir avant eux. On va voir ce qu'il en est. Déjà, j'ai pris du retard. Non, c'est bon, on se maintient à peu près. Ouais, ça va être bon. On garde 40 d'avance, 40% d'avance. On arrive à se maintenir à 40%. J'ai plus que 30 déjà, hein, comme par hasard. S'il n'y a pas de la triche. J'ai plus que 25. Alors que normalement, on est censé aller à la même vitesse, hein. Sur le papier. Et il va me rattraper. C'est pour ça que j'ai dit qu'il allait finir avant moi. Parce que l'ordinateur a toujours un avantage dans les sièges. C'est un peu comme à Europa Universalis 4. Hein. Il fera toujours les sièges deux fois plus vite que vous. Là, j'ai plus que 17 d'avance. Alors que je suis parti avec 40 d'avance. J'ai plus que 20. Ça va être serré, mais je pense que je vais réussir à conserver un tout petit peu d'avance. Ça va être très très serré. Ok, c'est bon. Le tout étant maintenant d'arriver avant qu'il finisse son siège. Ça, c'est pas gagné. Si, c'est bon. Je pense qu'elle va pas tarder à se rendre maintenant.
Parfait, elle est à 62. Je vais continuer à faire le siège parce que maintenant ce sera plus rapide. Par contre, je me méfie de ça, quoi. C'est ça qui m'inquiète. C'est toutes ces guerres, il y a des armées étrangères qui tournent partout. J'aimerais pas être mêlé à ça. Et que ça me coûte ma propre guerre, honnêtement. Il faut que je sois prudent. Bon, là, c'est une ville qu'on assiège, donc ça va être beaucoup plus rapide. Ouais, beaucoup de complots. Je vais mettre... je vais le retirer automatiquement. L'évêque de Locminé. Ok, il va payer 25 pièces d'or, j'en ai toujours besoin. Ceci dit, c'est un hérétique, non? Merde. Oui, c'est un hérétique, fait chier. Faut que je sois en paix. Alors voilà. 18 pièces d'or, je suis toujours partant. C'était une ville, ça rapporte un peu plus. J'ai bien compris, il va pouvoir révoquer les titres. Révoquer les titres autorisés. Donc ça veut dire que moi aussi je vais être autorisé. Je sens que je vais... Les titres, ça va voler. Genre le bourgmestre là. Qui était parfaitement désagréable. Est-ce qu'il est toujours bourgmestre d'ailleurs? Ouais, c'est ça, il est toujours là. Bon bah on verra, mais je sens que sa carrière en tant que maire de quelle ville d'ailleurs? Ah, encore une fille, décidément j'en aurais eu beaucoup. Hennebon. Eh ben, le maire d'Hennebon. Le pack défensif, ça on s'en fout. Là, faudrait vraiment que tout ça, ça disparaisse. Hein. C'est pas bon d'avoir tout ça, honnêtement. Alors, ça, c'est mon neveu. J'espère qu'il est éduqué par un breton. Ouais, ça, c'est cool. Mais du coup, je sais plus ce que je lui avais donné, moi. Plus l'érudition, peut-être. J'avoue que là, j'ai tellement d'enfants à éduquer que je peux pas me souvenir de tout. Allez, sérieux, c'est long. Hein. Et du coup, là, qui c'est qui va le plus vite? Elle va à 4,8 et moi, je vais à 5,3. Donc, en théorie, je suis gagnant avant. J'espère que ça va se confirmer. Sinon, il faudra refaire le siège. Allez, je me dis que... A découvert le mox... Faites le chanter. On verra. C'est bizarre. Ah oui, c'est en Anjou. Faut que je m'enlève de l'Anjou, honnêtement. Il sert plus à grand chose. Je vais l'envoyer espionner. Le comte d'Auvergne, j'ai toujours intérêt à le supprimer, honnêtement. Je pense qu'il me déteste, ouais. Donc s'il pouvait mourir dans... à Constantinople, là, ça m'arrangerait. En fait. Ok. On est à 84. Si je lui détruis son armée, ça devrait mettre fin à la guerre, j'espère. Il est temps maintenant. Que ça s'arrête tout ça. 95 seulement, sérieux. Je pense qu'elle va pas céder avant le 100%, malheureusement. Il y a de fortes chances. Hein. Ah, c'est pas grave, on va continuer. Hein. Le seul petit souci, c'est que... Ah non, c'est une église, ça va. Église, ça va vite. Ça va moins vite qu'une ville, puisqu'une ville est un peu plus fortifiée, a priori. Mais ça va plus vite qu'un château. Et je comprends pas cette revendication, là. Ah, je perds stressé. Ouh. Ça fait plaisir, parce que ça fait tellement longtemps que je l'avais, là. Et à mon âge, quel âge, là? 41 ans, les problèmes de santé, c'est peut-être plus le moment d'en avoir.
Donc c'est pas plus mal, honnêtement. Et merde, ça va falloir que j'aille m'en occuper. Ils ont pas de quoi faire le siège, heureusement. Allez, 13 pièces d'or, on est à 100%. C'est parti. Parfait. Alors, je vais pas garder ce titre, hein. Je vais le donner justement à mon fils. Ah, il est pas marié non plus. Peu importe, honnêtement, princesse de Byzance, est-ce qu'il accepterait 200 de prestige, hein. Pourtant, se marier avec un simple duc, c'est quand même pas très prestigieux, je trouve. Alors, lui, on va lui donner un titre. Accorder un titre foncier, on va lui donner l'Anjou. Ok. Normalement, on doit pouvoir lui redonner le titre. Hein. Ouais. J'espère que ça l'a pas viré du conseil. Ancienne, domaine trop grand. Non, c'est bon. Ok. J'ai eu peur qu'il ait la stat virée du conseil, mais non. Ok. Donc j'ai réalisé une ambition. Par contre, je sais pas ce qu'elle me rapporte cette ambition. Il n'y avait pas marqué. Voilà, du coup, je saurais pas. Alors, devenir roi de Bretagne, acquérir un titre, gagner tout titre du seigneur. Ça va pas trop m'intéresser. Je prends de devenir roi de Bretagne, honnêtement. Si la mission de conseiller de fabrication de revendication est disponible, elle permettra d'acquérir une revendication sur Bretagne. Non, alors, je sais pas. Je vais essayer l'argent. Il me faut 500 pour un duché. Alors ça a changé. Avant, il fallait 500, quelle que soit la position. Extorquer vos sujets. Ah, ça c'est nouveau aussi. Passez vos options en revue. Non, honnêtement, je crois pas que je vais faire ça. C'est gentil, mais ça me tente pas trop. Alors j'ai toujours la guerre possible. Pour revendiquer le duché, faut que j'aille voir ce qu'il en est. Ah merde, non. La révolte est finie. Je m'en doutais un peu, honnêtement. Ah, il a trop d'hommes pour que je puisse l'attaquer directement. C'est pas grave, j'aurai d'autres occasions. J'ai essayé de finir le duché d'Anjou, du coup. Et là, je pense que voilà, ils vont monter dans leur bateau à temps. Allez, c'est pas grave, c'était une bonne opération. J'en suis toujours à moins 39 de revenus, mais bon, ça malheureusement, je pense que j'en ai pour longtemps. Par contre, je peux retirer des titres. Ça, c'est cool. Qu'en est-il au sein du conseil? Ça, normalement, c'est une... Ça, c'est le conseil de mon roi. Hein. Ah, c'est le... Ok. Donc là, il y a deux activistes. Je vais de nouveau redemander... Ah non, faut que j'attende encore 4 ans. Alors... 50% de chance d'avoir aimable. Je suis pas contre, honnêtement l'intrigue ça m'intéresse pas trop alors que diplomatie j'en aurais bien besoin. Et j'aurais rien du tout, d'accord. Merci. Donc là en fait je vais surveiller. Hein. Dès la première révolte j'attaquerai le Gévaudan. À adapter la culture française, le comte d'Auvergne. Ah c'est lui.
Non, il n'a pas adopté la culture française, il a adopté la culture franc. Y a un problème de traduction à mon avis. Entre franc français, je sais pas s'ils font vraiment la différence. Bizarre. Ah bah voilà, il est mort. Il me détestait, donc je préfère qu'il meure. Je suis pas sûr que son successeur m'aime beaucoup plus, mais... Mais l'avantage, c'est qu'elle est jeune. Éduquer un enfant. Culture bretonne. On va essayer d'en faire une bretonne, hein. Peu importe ses qualités. Elle va pas vouloir. Ceci dit, si je la tue, elle passera, le comté passera sous mon contrôle. Elle est cachée, hein. Y a peu de chances que j'arrive à la tuer. Ah, j'ai un petit peu de soutien. Ouais, je vais payer. Je vais envoyer ma femme, diffusion, augmentation de la puissance de l'intrigue, ouais. Si j'arrivais à la tuer, honnêtement, on est rendu à combien là? 31. Oh, en plus, elle se cache plus. J'arrive à 99, hein. Là, c'est plutôt bon, je trouve. Elle est douée, ma femme, ou pas? Ouais, c'est pas trop mal. Ah, je suis pas verni, hein, pour ce qui est du chapelain, là. C'est vraiment pas top. Allez, là, faut que ça marche, hein. Ah merde, malade. Mon héritier, il est comment, là? Il est toujours pas marié, malheureusement. Bon, ça va pas tarder. Ah, un peu d'argent. Je suis preneur, toujours. Et merde, mon complot a été... Je suis sûr qu'elle va se cacher. Non. Par contre, elle me déteste. Tentative de meurtre, moins 200. Forcément. Alors, est-ce que les sciences se sont propagées? Toujours pas la possibilité de faire les chantiers navals, non. Allez, sérieux. Ah non, je crois que j'ai qu'une hâte, c'est qu'il meure, quoi. Ça doit faire 30 ans qu'il est en prison. Je sais pas qui c'est. Il était à ma cour, mais honnêtement, c'est un illustre inconnu et... Ça fait 30 ans qu'on me propose de le racheter, quoi. Comment se fait que j'ai encore des troupes... j'ai encore un malus sur les troupes mobilisées. Normalement, ça devrait baisser, ça, mais... J'ai pas l'impression que ça baisse très très vite, hein. Va falloir que je surveille ça. Ah si, ça baisse. Ah, un plan. Attention. J'espère qu'elle est... Bon, ça va, elle est pas majeure, elle a toujours pas d'héritier. Attention, attention. Ah merde, ça on s'en fout. Il m'a jamais récompensé, malgré tout ce que j'ai pu faire pour lui. Alors, je crois que je vais prendre une aile de poulet à déjeuner, moi. Elle a connu une mort rapide et probablement indolore. Ah, ok, c'est parti. J'ai récupéré le titre et je vais pouvoir mettre un breton. Enfin, si j'en ai. Si j'en ai, évidemment, de dispo. À la cour, je suis sûr que j'en ai, mais faut qu'il soit compétent. Un minimum. Ça, c'est mon héritier. Ah oui, mon héritier n'a pas de titre forcément, mais il n'est pas breton. Saleté.
Putain, j'ai pas un seul breton à la cour, ça fout mal quand même. J'ai un lombard, ouais, merci. Je vais me servir dans les cours de mes vassaux, peut-être. Eux, des bretons, ils doivent en avoir. Putain, celui-là, il est bien. Quand je vois les stats, aucune en dessous de 10. Je vais lui donner le comté d'Auvergne, hein. Ouais, par contre, il va vouloir une place au conseil, mais je vais lui donner avec plaisir. Peut-être à la place de ma femme, ouais. Elle est même mieux. Non, ils se valent tous les deux, mais la différence, c'est que ma femme, elle veut pas vraiment le titre. Elle a pas de pouvoir spécial, de toute façon. Ambitieux. Bon, il est ambitieux, mais peu importe. Tisser un réseau d'espionnage. Chance de découverte d'un complot. Je vais faire ça chez moi pour l'instant. Bon, je pense que c'est une bonne opération, hein, parce que... Bon, là, pour l'instant... Il commence à être nombreux, quand même. Ouais, je sens qu'il va falloir que je gère ça bientôt. J'espère que j'aurai assez de troupes. J'ai un petit peu d'argent de côté, donc à la rigueur, je peux frapper fort dès le début. Essayer de me les faire avec une armée de mercenaires, peut-être. Bon, ce qui fait plaisir, c'est que la France arrive à sortir de toutes ces... guerres, là. Celle-là, je sais pas pourquoi, c'est encore un bug, ça, à mon avis. On est à 100% depuis longtemps, et il n'y a pas de paix. Il est même mort, donc voilà, ça bug encore. Je trouve qu'il y a plein de petits bugs dans ce... Comment ça se fait qu'un mort reste encore en guerre, là? Il y a aussi le problème des conseillers. Voilà, c'est revenu à mon épouse. Je sais pas pourquoi. C'est certainement pas moi qui l'ai mis. Ça m'énerve. Je vais le donner à Comte d'Auvergne. Mon héritier a-t-il eu... Alors après, il faudrait que je regarde le deuxième, pardon. Le deuxième, c'est lui. Quatrième. Bon, il y a tellement de prétendants que là, pour l'instant, je peux plus... Ouais, ceci dit, si je veux des Bretons, il faut quand même que j'essaye. Ah, lui, il est lombard, sérieux. Éduqué. Un métal. Et lui, breton. Ça, c'est bon, par contre. Bon, bah, je suis plutôt content, j'ai réussi à avoir un comte de plus qui est breton. Ce qui serait bien, c'est qu'il convertisse sa province assez vite. C'est un peu le but. Et merde, il est déjà mort. C'est lequel qui est mort là? Ah non, c'est lui qui est mort, breton. Si, c'est lui qui est mort. Et du coup, pourquoi c'est lui qui a hérité là? Ouais, ça a l'air d'être bon. Il est toujours breton, c'est ce qui compte. A été donné au titulaire. Et c'est à lui que je l'avais donné, hein. Et il a hérité. Je sais pas quel est le lien de parenté là. C'était son frère, d'accord. Bon bah ça me va, tant qu'ils sont bretons, moi ça me branche. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère avoir une revendication assez vite faite sur elle en fait, maintenant. Ou alors une guerre en Francie orientale qui me permettrait de faire la guerre aux Gévaudan. En tout cas, il y a deux ou trois possibilités là. Après, je pense qu'il est encore trop tôt pour déclarer son indépendance avec la France parce qu'il reste avec 3000 hommes. Ça fait beaucoup. Mais en tout cas, ça progresse pas mal. Deux provinces de gagnées en dehors de la Bretagne, je dirais que c'est assez satisfaisant. Le seul problème, c'est ce conseil qui me donne du fil à retordre. Pour l'instant, je suis encore obligé d'attendre 3 ans.
Bon, on verra ça. Allez, je vous laisse. À demain pour la suite de ce Let's Play.